Alors ici, nous nous trouvons donc face à ces deux tours qui sont les parties les plus anciennes du château, du 12 et 13e siècle. Celle de gauche, vous pouvez voir que le sommet a été arasé car il menaçait de s'effondrer. Et celui de droite, vous pouvez voir au sommet les pierres de la corniche qui sont assez récentes car elle est en restauration. Il est prévu qu'elle soit visitable l'année prochaine, ce qui marquera la fin de la restauration du château de Bournazel par ailleurs. Donc à l'époque médiévale, il y avait probablement un grand portail entre ces deux tours qui marquait l'entrée dans le bourg. Bournazel était sur les routes commerciales, c'était une ville assez prospère et peuplée. À titre d'exemple, il y avait jusqu'à 6 foires par an. Il y avait aussi des festivités, donc ça attirait beaucoup de monde et donc beaucoup d'argent. Ce qui explique aussi la construction assez rapide du château Renaissance en une vingtaine d'années. À l'origine, le château de Bournazel, pour sa partie médiévale, avant la construction en 1540 de la partie Renaissance, appartenait à la famille de Mancy. Dans cette famille, il y avait un petit problème, c'est qu'il n'y avait pas d'héritier mâle. Donc c'est la fille aînée, Charlotte, qui a hérité du château. Elle l'a transmis dans sa dot lors de son mariage à son mari, Jean de Buisson. C'était un riche banquier toulousain. Et à l'époque, c'était assez fréquent les mariages entre nobles et bourgeois, car les nobles avaient des terres, mais pas nécessairement les fonds, et les bourgeois avaient des fonds et souhaitaient être anoblis. Charlotte a initié la construction du château. Vous pouvez voir que c'est une architecture très différente de ces tours, qui sont des fortifications. Donc ici, c'est un château qui s'apparente de plus en plus à des palais. On estime l'interruption des constructions vers 1561, et 11 ans plus tard, il y avait le massacre de la Saint-Barthélemy qui faisait rage en France.